Hello les amis, c'est Azoku, maintenant ça va hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 16. Et non, je suis pas sur Clash Royale, je suis sur FIFA 16. Clash Royale, je compte faire une vidéo très prochainement. Je suis en train de la préparer, donc ne vous inquiétez pas, elle va arriver très très bientôt. Mais là je vous présente un nouveau concept, donc c'est pas très nouveau. Vu que j'en faisais auparavant, c'est-à-dire que je vais faire un quiz sur un club. Donc ce club s'appellera aujourd'hui le FC Barcelone. Donc je ferai une ou deux vidéos par semaine sur ce genre de concept là. Je ferai un quiz par exemple sur un club, un joueur ou un personnage de foot pour mieux savoir justement un club ou un joueur de foot. Voilà. Donc ça sera 6 questions. Ça dépendra hein, des vidéos genre voilà. Si j'ai envie de vous faire 5 questions ou 10 questions, voilà, c'est moi qui choisis et vous répondez par commentaire. Voilà, le principe, voilà, aujourd'hui il y aura 6 questions. À chaque question, il y aura une seule réponse, il n'y en aura pas 2, 3, il n'y en aura qu'une seule de bonne. Et vous répondez par commentaire aux questions demandées. Voilà, le but c'est vraiment de mieux connaître un club, un joueur ou un personnage de foot que je vais vous présenter aujourd'hui ou dans quelques jours. Si ça sera par exemple un quiz, là aujourd'hui ça sera un quiz sur le FC Barcelone, mais par exemple dans quelques jours ça sera un quiz sur Jamie Vardy ou Aubameyang ou Dimitri Payet. Ça dépend, à vous de me mettre le prochain club ou joueur dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse un quiz sur par exemple Paul Pogba, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mettez par commentaire et je le ferai avec plaisir. Voilà, maintenant on passe aux questions demandées pour aujourd'hui. Donc ça sera sur le FC Barcelone. Voilà, on commence par la première question. C'est parti les amis, première question. Alors question 1: quelle est la date de fondation du FC Barcelone? Alors, est-ce que c'est réponse A, le 29 décembre 1901? Réponse B, le 1er avril 1900? Réponse C, le 29 novembre 1899? Ou réponse D, 10 septembre 1898? Donc voilà, les fanatiques du Barça, je pense que vous allez trouver facilement, je compte sur vous. On passe directement sur la question 2. Là, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est une question où moi-même, j'ai eu du mal à trouver. Donc, quel est le gardien mythique passé par le Barça à donner son nom à la récompense de meilleur gardien du championnat d'Espagne? Voilà, cette question est un peu compliquée, mais je vous donne les réponses suivantes. Est-ce que c'est réponse A, Ricardo Zamora? Réponse B, Andoni Zubizarreta, excusez-moi. Réponse C, le fameux gardien Victor Valdés. Ou réponse D, Carles Busquets. Voilà, j'ai un peu fait... ça c'est un peu une question difficile, mais cherchez bien et vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Allez, question 3. En quelle année a été inauguré le Camp Nou? Donc réponse A, 1954. Réponse B, 1962. Réponse C, 1953. Réponse D, 1957. Voilà. Cette question est un peu plus facile que la question 2. Voilà, réfléchissez et vous allez trouver, vous inquiétez pas. Voilà. Question 4 maintenant. Voilà, c'est quel est le joueur à avoir joué le plus de matchs sous le maillot du Barça? Et voilà, hein. Je vous donne pas la réponse, mais vous avez déjà vous-même votre réponse, c'est sûr et certain. Alors, est-ce que c'est réponse A, Guillermo Amor? Réponse B, la légende Xavi? Réponse C, Lionel Messi? Ou réponse D, Miguel Angel Nadal? Donc voilà, c'est vraiment une légende du Barça. Voilà. Au total, je crois qu'il a fait... Alors, excusez-moi. Je crois qu'il a fait 700 matchs avec le Barça. Donc voilà, trouvez la réponse. C'est vraiment... très très logique. Question 5. Andrés Iniesta et Lionel Messi sont les joueurs ayant
remporté le plus de trophées sous le maillot du Barça? Combien en ont-ils remporté? Excusez-moi. Donc, est-ce que c'est réponse A, 25, réponse B, 32, réponse C, 26 ou réponse D, 33? Voilà, Andrés Iniesta et Lionel Messi sont les deux joueurs, vraiment les deux légendes à avoir remporté le plus de trophées. Voilà, je vous demande combien ont-ils remporté? Voilà. Alors, la question 6, c'est une question bonus, hein. Une question bonus, hein, ce sera une question un peu plus facile que les autres. Donc, quel est le transfert le plus cher de l'histoire du club? Est-ce que c'est réponse A, Thierry Henry, réponse B, Neymar, réponse C, Luis Suarez ou réponse D, Zlatan Ibrahimovic? Voilà les amis, c'est tout pour ce quiz d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère faire d'autres quiz sur un club ou sur un joueur. En tout cas, mettez par vos co par commentaire vos réponses. Mettez par commentaire aussi le prochain quiz que je ferai. Si vous voulez que je fasse un quiz sur Eden Hazard ou sur un club, sur un autre club ou la Juventus, etc. Mettez-les. Franchement, ça me ferait plaisir de faire cette vidéo. Voilà. En tout cas, répondez aux questions. C'était Azou les amis, portez-vous bien et ciao tout le monde!